Bien, bonjour à tous. Cette vidéo s'adresse aux élèves de 6e 3 et 6e 5 et il s'agit donc de la correction que je vous propose que nous fassions ensemble de l'exercice, de la fiche d'exercice que nous avons commencé à faire en classe qui s'appelait Habiter un espace à forte contrainte, l'exemple d'un désert chaud, le Sahara. Donc, je vous rappelle que nous sommes dans la partie de géographie, thème 2, habiter un espace de faible densité, chapitre 1, habiter un espace à forte contrainte, et que donc, c'est cette fiche-là, en trois parties, que vous aviez à faire et que nous devions corriger ensemble en classe, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, je vous demande de prendre votre livre, votre cahier, et nous allons corriger cette fiche ensemble. Pour réaliser cette fiche, vous aviez besoin donc de voir la vidéo qu'on avait vue ensemble en classe, c'est pas sorcier sur la vie au Sahara, que vous pourrez retrouver sur YouTube si vous avez envie de la revoir, et également le livre page 210, 216, 217, 218, 219. Donc les voilà, c'est ces pages, et je vous propose donc de corriger en ayant donc le livre ouvert sous les yeux. Donc voilà la fiche, je vous propose que l'on reprenne les questions une par une ensemble. Donc la première question était de retrouver quelle superficie de sable occupe le Sahara et de quoi est composé le reste. La réponse était de 20% de sable et de 80% de pierre. Je vous rappelle que, contrairement à ce qu'on pense souvent, il n'y a pas que du sable au Sahara, il y a aussi des pierres, il y a aussi des ressources en eau, il y a aussi de la végétation, il y a de la population. D'où la question numéro 2 qui était, est-ce que le dessin que vous aviez fait au tout début du chapitre, que vous avez dans votre cahier, correspondait à la réalité, puisque je vous avais demandé de dessiner un désert. Et que pour la plupart d'entre vous, la réponse est non, ça ne correspond pas à la réalité, puisque la plupart d'entre vous, vous aviez dessiné un désert composé quasiment que de sable, ce qui n'est donc pas le cas du Sahara. Et donc, la troisième question, colorier où se trouve le Sahara, bah voilà, sur la carte, ça ressemble à ça, hein, c'est à peu près cette zone-là, vous pouvez colorier. Je rappelle que quand on fait une carte, on n'oublie pas de faire la légende, et d'écrire à côté qu'il s'agit du Sahara, ce que j'ai mis ici en marron, vous pouvez prendre une autre couleur, vous appliquez un peu plus que ce que j'ai fait moi, et vous pouvez donc colorier le Sahara. Ensuite, vous aviez des définitions, dont certaines étaient dans la vidéo et d'autres dans le livre. Donc on vous demandait ce qu'est une contrainte. Donc ça, c'était dans le livre, page 216. Hein. Ici, vous avez une contrainte, c'est un élément qui limite et rend difficile la vie et les activités humaines. Donc on peut le noter ici. Ensuite, on vous demandait ce que c'est qu'un ergue. Dans la vidéo, on disait qu'un ergue, c'est l'étendue de sable, c'est le désert de sable. Un règle, c'est un désert de pierre. Et un oued, on l'avait à la fois dans la vidéo et dans le livre, on l'a ici, page 217, un oued c'est un cours d'eau dans le désert. Donc voilà les définitions que vous trouviez ici. Donc au Sahara on a beaucoup de contraintes, si on regarde le diagramme page 217 et le document 2 page 216, évidemment, beaucoup de contraintes, dans le texte on nous dit, document 2 page 216, vous pouvez suivre avec moi, donc c'est le plus grand désert du monde, le Sahara c'est aussi, est aussi particulièrement aride. Aride, c'est écrit à côté, l'aridité, c'est une sécheresse importante. Le principal obstacle à la vie saharienne, c'est bien sûr la difficulté à s'approvisionner en eau. Donc évidemment, premier problème, aridité, peu d'eau dans le désert. Que ce soit dans les campements nomades, les oasis ou les villes, les habitants doivent faire face aux spécificités du climat. Forte chaleur en été, température fraîche ou froide en hiver et amplitude thermique. Et là, je vous propose de regarder le graphique qui est à côté où on constate qu'effectivement, on a de très fortes températures. À certains moments de l'année, à certains mois de l'année, en particulier en été, hein, qui peuvent monter à plus de 35 degrés de moyenne, par contre beaucoup moins en hiver, et puis des précipitations qui sont faibles, voire très très faibles ou inexistantes en juillet-août. Et puis l'amplitude thermique, vous avez la définition en dessous du texte, on vous dit que c'est la différence de température entre le jour et la nuit, et en effet, puisque la couverture nuageuse est très faible dans le Sahara, eh bien, on a des très fortes températures la journée, par contre on en a des beaucoup plus faibles la nuit. Et enfin, on nous dit, le vent peut aussi rendre difficile la vie dans les régions de sable, ce qui nous amène à trois contraintes principales au Sahara, on l'a noté ici, donc les contraintes sont l'aridité, peu de précipitation, l'amplitude thermique et le vent. Ce qui nous permet de conclure qu'à partir de ces constatations, la vie au Sahara, eh ben, elle est très difficile. Et pourtant, quand on observe les documents 3 et 4, qu'est-ce qu'on trouve au Sahara? Ben, allons voir les documents 3 et 4. 3, c'est une oasis. En fait, une oasis, c'est un lieu de vie dans le désert où on a des cours d'eau, donc de la végétation, des cultures et donc de la population. On voit ici des habitations, donc une ville qui s'est construite, et puis des populations. On peut voir dans le document 4 la vue aérienne d'un quartier de la capitale de Mauritanie, Nouakchott, mais aussi des populations, les hommes bleus, c'est-à-dire les Touaregs, ceux qui vivent dans le désert, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont des populations nomades. Donc on peut dire que malgré toutes ces contraintes,
eh bien, il y a malgré tout des villes et des populations qui vivent dans le désert. Et quand on vit dans le désert dans des conditions si terribles, eh bien, on doit s'adapter, c'est le numéro 52, hein. Comment les hommes s'adaptent-ils à la vie au Sahara et plus particulièrement avec une population, cette fameuse population Touareg qu'on a dans le document 4, page 218 du livre, les Touareg qui sont une population nomade, c'était écrit dans le texte, on vous demandait justement de définir la population, le mode de vie de cette population, si vous lisez le texte que vous avez sous les yeux dans la fiche, on vous dit que les Touareg sont un peuple du désert qui vivent principalement dans les régions montagneuses du Sahara. Ce sont des nomades, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas toujours au même endroit, ils se déplacent selon les saisons. Pendant la brève saison des pluies d'été, ils conduisent les troupeaux dans de riches prairies aux terres gorgées d'eau salée. Au cours de la saison sèche, ils se dirigent vers des endroits pourvus d'arbres et de ressources en eau permanente. On peut donc dire que c'est une population nomade qui n'a pas d'habitat fixe et qui se déplace pour vivre en fonction des saisons. Et donc, quand on a la définition, on rappelle qu'un nomade est une population qui se déplace pour vivre, c'est le contraire de sédentaire. Et là, je vous renvoie à notre chapitre d'histoire de début d'année sur l'apparition des premiers hommes. Pendant des millions d'années, les hommes, ils ont vécu en tant que nomades. Ils ont dû se déplacer pour vivre jusqu'au moment de la révolution néolithique où les hommes, eh bien, ils sont devenus sédentaires, donc ils ont fixé leur habitat. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur Terre, il y a de moins en moins de populations nomades, mais il en reste quelques-unes, comme justement ces Touareg du désert. Voilà pour la première partie de l'affiche. Et si je vais sur la deuxième partie de l'affiche, après Nomade, vous demandez ce que c'est que Oasis. Vous avez la définition là aussi dans le livre à la page 216. Si vous regardez ici, c'est un lieu irrigué, habité et cultivé dans le désert. Donc, c'est autour de ces zones-là que se situe la vie. Et puis les Touareg, c'est un peuple nomade du désert. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces peuples nomades, ils ont un mode de vie traditionnel qui change. Donc, document 5, page 218, si vous y allez avec moi au document 5, page 218, le voilà, eh bien, on nous dit que les Touaregs sont l'un des derniers peuples à pratiquer l'élevage nomade en se déplacement au fil des saisons, et que la réalité de leur vie au Sahara a énormément changé ces dernières années, puisque la population saharienne vit de plus en plus dans des villes. Certaines villes, comme Nouakchott ou Khartoum, sont des villes qui ont plus de 100 000 ou 150 000 habitants, et donc, dans des pays comme la Libye, par exemple, la population vit quasiment pratiquement que dans des villes. Le nomadisme n'a pas résisté à la grande période de sécheresse des années 70, ce qui signifie qu'en fait, ces populations nomades, on peut le noter, sont de moins en moins nombreuses et qu'elles se sédentarisent de plus en plus dans des villes du Sahara, qui est de moins en moins de nomades et de plus en plus de sédentaires. Ça, c'est pour les populations. Et puis, grand 3, eh bien, vous aviez le Sahara, des ressources et des conflits, parce que dans le Sahara, il n'y a pas que des populations, il y a aussi différentes ressources. Et là, on peut demander d'aller voir au document 6, page 218. C'est une carte, vous pouvez la regarder, elle est assez claire, on nous montre ici en jaune le Sahara, puis on nous montre le désert, puis on nous montre ici les différentes ressources, regardez bien la légende, on nous dit avec des triangles qu'on a du pétrole, du gaz, de l'uranium, l'uranium c'est ce qui permet de créer de l'électricité par le nucléaire, on a du fer aussi, c'est-à-dire qu'on a énormément de ressources, et vous avez compris que plus on a de ressources, plus on a des convoitises des populations, des pays, mais aussi des entreprises étrangères, américaines, européennes, chinoises, qui vont... être en conflit, et parfois en conflit armé, hein, pour la possession de ces ressources. D'où la question suivante, donc, on trouve du pétrole, du gaz, du fer, de l'uranium, ce qui conduit à des conflits pour la possession de ces richesses. Et enfin, dernière richesse importante dans le désert, on vous demande de regarder les documents 7, 8 et 9, la principale, et ça va nous permettre de boucler la boucle de notre travail, la principale ressource, c'est l'eau, c'est la plus convoitée, et c'est celle qui est la plus rare, et donc forcément il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser l'eau. Alors dans le document 7 on nous dit qu'il y a des agriculteurs qui utilisent cette eau, en particulier ceux qui veulent faire pousser des palmiers pour récupérer les dattes, et que ici dans le document 7 on nous dit qu'on a un agriculteur, c'est un type d'anomore, qui lui eh ben, a de moins en moins d'eau et qui est obligé de puiser dans les sous-sols sans autorisation pour pouvoir cultiver et éviter la pénurie d'eau. Le document 8 qui vous paraît un peu bizarre, vous avez des formes curieuses, des formes en cercle, hein, circulaire. C'est pas des extraterrestres qui l'ont fait, hein. Vous voyez bien qu'on est dans le désert. Si vous regardez, vous avez en jaune, il s'agit du sable, bien sûr. Et puis en vert, ici, c'est l'agriculture, hein, c'est les champs. Pourquoi ils sont de cette forme-là? Parce qu'on les a arrosés, on les a irrigués. Regardez à côté, on vous dit que l'irrigation, c'est quand on apporte de l'eau là où il n'y en a pas ou peu. Et bien, on a des jets d'arrosage. Hein. Vous pouvez imaginer qu'ici, on a de l'arrosage qui tourne pour pouvoir. Arroser une plus grande surface quand ça tourne, et donc c'est pour ça qu'ils sont en forme circulaire. Évidemment, là où l'eau tombe, ben, on va pouvoir cultiver, puis là où l'eau tombe pas, ben, c'est le désert.
Donc la plupart du temps c'est circulaire, mais pas que, vous voyez qu'il y a aussi des champs rectangulaires. Et la vraie question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de gaspiller autant d'eau pour aller faire pousser des champs dans le désert? Vous imaginez toute l'eau qu'il faut apporter pour amener des cultures dans le désert. Ça c'est pour l'agriculture, d'autant plus qu'il n'y a pas que l'agriculture qui se sert d'eau dans le désert, il y a aussi, vous le voyez document 9, les touristes. Alors c'est bien le tourisme dans ces zones-là parce que ça permet aux habitants d'avoir un peu de revenus, on vous le dit en dessous, hein, de pouvoir avoir un peu d'argent grâce au tourisme. Parce qu'ils vont travailler dans les hôtels, mais ça utilise énormément d'eau, que ce soit pour les douches, pour les piscines, ou on imagine au fond de la photo un peu de végétation, c'est peut-être des golfs pour faire plaisir aux touristes, mais ça pompe énormément d'eau, et comme il y a peu d'eau, il y a des conflits entre les agriculteurs, entre les touristes, mais aussi la population locale qui a besoin d'eau pour vivre, et donc ça pose des gros problèmes pour l'environnement, et ça amène à des pénuries d'eau dans le désert. D'où la dernière question. L'exploitation des ressources en eau dans le Sahara pose le problème des conflits d'usage puisqu'il y a peu d'eau et qu'elle est utilisée à la fois par les populations, par l'agriculture et par le tourisme. Voilà pour la vie au Sahara. Et il nous restait une dernière question qui est la conclusion. Alors normalement j'avais prévu de la faire en classe en petit groupe où je voulais vous demander de vous mettre dans la peau d'un journaliste qui fait un reportage avec différents documents, des photos, etc. pour décrire la vie au Sahara. Alors ce travail, on va pouvoir le faire en classe, vous avez compris, mais ce que je vais vous demander, c'est de le faire à la maison. Donc je vais vous demander pour la prochaine fois de prendre une feuille et puis de rédiger. Alors on va dire que 10 lignes, c'est pas mal, ça suffira. Et puis si éventuellement vous avez l'occasion, vous pouvez prendre des photos sur Internet par exemple. Hein, et vous pouvez essayer de faire un petit reportage. L'idée c'est que vous fassiez un résumé de cette fiche-là et que vous montriez dans votre reportage que vous avez compris que le Sahara, c'est pas comme le dessin que vous aviez fait au début, avec que du sable, mais qu'il y a donc des paysages, des modes de vie, des contraintes, des ressources, des conflits, et donc bah, vous de vous mettre dans la peau d'un journaliste qui expliquerait à des gens qui connaissent rien au Sahara bah, tout ce qu'on trouve au Sahara. Voilà, je vais vous demander donc de rédiger ça, et puis bah, pour la prochaine fois, dans quelques jours, je vous donnerai un autre travail, puisqu'on verra qu'il n'y a pas que des déserts chauds dans le monde, il n'y a pas que le Sahara, il y a aussi des déserts de glace, il y a aussi des déserts de montagne, il y a plein de types de déserts différents. Et donc on généralisera ça dans une fiche que je vous transmettrai dans quelques jours, qui sera la suite de notre travail. Donc pour l'instant, vous êtes un journaliste et vous faites un reportage, voilà le travail que je vous demande de faire après avoir pris la correction de cette fiche-là. Voilà, bon courage et à bientôt.